Bonjour, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Mariam Traoré et aujourd'hui, c'est le COVID-19 Empower Hour où vous pouvez apprendre comment stopper le virus de COVID-19. Donc, la séance pour anglais, c'était le lundi passé, le 21 mars. Et aujourd'hui, c'est la séance du français. Et vendredi, ça sera la séance de espagnol. African Services Committee est une agence multiservice des droits de l'homme située à Harlem. Elle a pour l'objectif d'aider les immigrants, les réfugiés, les exilés et de la diaspora africaine. Nous offrons des services de santé, de logement, des aides sociales, juridiques et des droits de l'homme. Nous avons aussi des aides éducatives, nutritives et de la plaidoirie gratuite et en toute confidentialité, quel que soit votre statut d'immigration ou votre capacité de paiement. Donc, nous sommes ici pour vous apprendre comment stopper le virus de COVID-19, comment cela se répand et comment éviter les fausses informations. Donc, nous commencerons par le test de COVID-19. Quels sont les différents types de tests du COVID-19 disponibles? Les vaccins, c'est quoi un vaccin? Comment est-ce que les vaccins de COVID-19 fonctionnent? Qui peut le recevoir et accéder au vaccin a-t-il de l'impact à mon statut d'immigration? En plus, les mythes de COVID-19, quels sont-ils? Devrais-je me faire vacciner et informer votre communauté? Donc, que pouvons-nous faire? Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez vos questions dans la boîte de suggestions. Et pour d'autres questions ou bien des questions que vous voulez nous demander en privé sur le COVID-19, vous pouvez contacter l'équipe HRSA à African Services à 862-248-2864, encore 862-248-2864, ou vous pouvez aussi envoyer un email à covidvaxoutreach@africanservices.org. Donc, pour commencer, le test de COVID-19. Donc, African Services Committee offre gratuitement le test pour le COVID-19, ça c'est le PCR test, sans rendez-vous au centre du testing du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et pour les tests rapides, vous pouvez nous appeler sur le numéro 212 222 38 82 pour la disponibilité de l'équipement du test à domicile. Donc, quels sont les types de tests du COVID-19 disponibles? Donc, on a le PCR test et puis le rapid test. Donc, pour le PCR test, l'échantillon peut être le prélèvement nasopharyngé ou salive et le résultat en général dure entre un jour à 3 jours. Donc, vous pouvez recevoir votre résultat minimum peut-être honnêtement dans 3 jours. Et les résultats sont fiables pour les gens qui ont des symptômes ainsi que ceux qui n'ont pas. Donc, vous n'avez pas besoin d'un test de suivi. Donc, pour les rapides tests, l'échantillon peut être le prélèvement nasopharyngé et les résultats en général durent entre 15 à 30 minutes et ils sont moins fiables pour les gens qui n'ont pas de symptômes. Donc, un test de suivi peut être nécessaire. Et maintenant, je passe le reste à mon collègue, Cassine. Ah, OK. Merci bien, Mariam, pour ces développements. En tout cas, moi, je vais continuer maintenant. La vaccination African Services aide tout client à prendre un rendez-vous de vaccination à un endroit accessible et à se faire vacciner la première, deuxième et le booster.
African Service aide à trouver le site des vaccins contre le COVID-19 près du code postal du client. African Service Committee a souvent des événements de sensibilisation contre le COVID-19 et offre aussi des vaccins gratuits durant ces événements. Les vaccins de Moderna, Johnson et Johnson sont disponibles à l'âge de 18 ans et les vaccins de Pfizer sont disponibles à l'âge de 5 ans. Je dis bien encore et je vais le répéter, les vaccins de Moderna et Johnson Johnson sont disponibles à l'âge de 18 ans et les vaccins de Pfizer sont disponibles à l'âge de 5 ans. Ensuite, une journée de vaccination gratuite de COVID-19 à African Services Committee. Notre adresse est 429 West 127 et puis sur le quatrième étage, New York, notre zip code est 10027. Notre campagne de vaccination sera liée le mercredi, le 30 mars, de 13h30 à 16h30. Vous pouvez venir sans prendre un rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous aussi, vous pouvez nous appeler sur 212-222-3880D. Je le répète bien encore, pour prendre un rendez-vous, vous pouvez nous appeler sur 212-222-3880D. Ensuite, je vais développer un peu cette partie. C'est quoi un vaccin? Les vaccins contiennent des éléments affaiblis ou inactif d'un organisme particulier appelé antigène qui déclenche une réponse immunitaire dans l'organisme. Les vaccins les plus récents contiennent les schémas permettant de produire l'antigène plutôt que l'antigène lui-même. C'est quoi un vaccin? Les vaccins ne sont pas nouveaux. Les vaccins comme nous les connaissons ont été créés depuis la fin des années 1800. Depuis dès lors, nous avons développé avec succès des vaccins pour protéger de nombreuses maladies comme le polio, la rougeole, oreillon, rubéole, diphtérie, conquilinge et tétanos, etc., etc. Pour accéder au domaine professionnel et des milieux scolaires, être vacciné est une exigence depuis des décennies. Les vaccins peuvent avoir des effets secondaires tels que les médicaments aussi peuvent avoir des effets secondaires. Je vais répéter cette partie encore. Les vaccins peuvent avoir des effets secondaires tels que les médicaments aussi peuvent avoir des effets secondaires. Et l'avantage de les utiliser dépasse le risque rare qui existe. Comment est-ce que les vaccins du COVID-19 fonctionnent? Les vaccins RNA contiennent les plans de construction d'une partie du virus. Ce plan de construction est synthétisé artificiellement en éprouvette. Il est constitué d'RNA dans le cas de la vaccination contre le COVID-19. Il comporte les instructions pour la synthèse de la protéine. Cette protéine urise la surface du coronavirus, ce qui permet à notre système immunitaire de les reconnaître facilement. Dans le cas du vaccin RNM, l'RNM est enveloppé dans une bulle de graisse nanoparticules lipidiques qui les protège. Ensuite, le viral vector. Pour la fabrication des vaccinations RNM, tout comme pour celle des vaccins à vecteur, on introduit les plans de construction de la protéine du coronavirus dans les cellules. Il diffère par le type de plan de construction de RNA pour les vaccins RNA et ADN pour les vaccins à vecteur et pour les enveloppes lipidiques pour les vaccins RNA particules d'adénovirus pour les vaccins à vecteur. Ensuite, qui peut les recevoir? Oh, je pense que mon collègue Kajatsu va continuer cette partie. Bonjour tout le monde. Maintenant, moi je m'appelle Genabou. Je vais vous parler qui peut recevoir le vaccin.
Pour la première, la deuxième et le booster. Si vous n'êtes pas actuellement malade ou infecté par le COVID-19, vous êtes éligible. Ça veut dire que tout le monde est éligible maintenant à avoir le vaccin contre le COVID. Si vous êtes malade ou infecté par le COVID, veuillez d'abord à attendre que vous vous rétablissez complètement. Si vous avez aussi des problèmes, vous avez telle maladie ou de problèmes compliqués, vous êtes atteint d'une maladie, vous devrez d'abord parler à votre médecin traitant. Aussi, si vous avez déjà eu le COVID-19, vous devrez quand même vous faire vacciner. Ça ne veut pas dire que vous avez été infecté par le COVID que vous ne pouvez pas vous faire vacciner contre le COVID. Aussi, le vaccin contre le COVID n'est pas exigé par la loi. Il n'est pas illégal non plus de décider de ne pas l'obtenir. Mais vous pourriez constater qu'il est requis par la plupart des milieux de travail, des écoles, des fournisseurs de services et de voyages. Mais de nos jours, nous savons que la loi a été changée, comme le port de masque ou se faire vacciner qui était obligatoire. Bah, de nos jours, ce n'est plus obligatoire. Mais cela ne peut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire vacciner. On se fait vacciner pour préparer son corps contre le virus. On se fait vacciner pour se protéger et protéger aussi des autres. Pour la première dose de vaccination, si vous êtes allergique aux ingrédients du vaccin ou vous êtes immunodéprimé, veuillez d'abord parler à votre médecin. Comme je l'ai dit tantôt, si vous avez des problèmes compliqués, vous avez telle maladie, vous posez des questions concernant le vaccin, veuillez d'abord parler à votre médecin traitant. Maintenant, accéder au vaccin a t-il de l'impact à mon statut d'immigration? Primo, tous les New-Yorkais ont le droit de recevoir le vaccin contre le COVID et c'est gratuit. Peu importe votre statut d'immigration, votre couverture d'assurance, votre revenu ou votre capacité de payer le vaccin, c'est gratuit. Vous ne payez aucun franc en vous faisant vacciner. Il n'y a pas de frais à payer. Il n'y a pas de conséquences liées à l'immigration à recevoir le vaccin. Par exemple, je sais que beaucoup de personnes vont se poser la question, quand je prends le vaccin gratuitement, ça va avoir un impact négatif sur mon statut à l'immigration? Non. Ça n'a rien à voir avec votre statut à l'immigration et ça n'a aucun impact sur votre statut à l'immigration. Aussi, les renseignements personnels recueillis pendant le processus de vaccination sont protégés et ne seront pas communiqués aux autorités de l'immigration. Oui, tout ça, ne vous inquiétez pas, vos informations ne seront pas, sont protégées et ne seront pas aussi communiquées à aucune autorité de l'immigration. Les mythes et les mythes de COVID sont, quels sont-ils? Les mythes, ça ne vaut pas la peine de se faire vacciner parce qu'il y aura des nouvelles variantes de COVID. Non, comme nous tous, par exemple, on se pose beaucoup de questions, on se dit c'est tel. Non, tel n'est pas le cas. Prenez votre temps et vous renseignez concernant le COVID. Le COVID n'a rien à voir avec dire que quand je me fais vacciner, je vais avoir des cas ou je vais avoir d'impact sur ma santé. Ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit, COVID, c'est un virus. Le vaccin, c'est préparer votre corps, c'est renforcer votre immunité système contre le virus. Maintenant, en vérité, le vaccin nous protège contre le COVID et les variants à aider à diminuer la probabilité que vous tomberez malade si gravement. Donc, vous êtes mieux protégé contre le COVID si vous vous faites vacciner. Les mythes encore, on ne doit pas faire confiance aux compagnies pharmaceutiques parce qu'elles sont mauvaises et on ne doit pas faire confiance à leurs médicaments. Non, si vous ne prenez pas le médicament, si on ne prépare pas notre corps contre telle maladie, comment est-ce qu'on peut guérir de cette maladie?
C'est ça. Donc, le vaccin nous protège, le vaccin nous prépare notre corps et renforce notre système immunitaire. La vérité aussi, les vaccins ont été vérifiés, approuvés par de nombreux gouvernements et organisations scientifiques. Même si ces compagnies pharmaceutiques ont fait des erreurs dans le passé, ces vaccins ont été examinés de près par de nombreuses autres organisations. D'ailleurs, c'est pourquoi maintenant, on a tellement de taux, le taux des personnes qui atteignent du COVID, le taux a tellement diminué qu'en 2020. En 2020, il y a eu tellement de personnes qui ont été atteintes par le COVID. Maintenant, beaucoup de personnes se sont fait vacciner. Maintenant, on a vraiment le taux de personnes de hospitalisation ou de personnes atteintes contre le COVID a diminué. Et on doit aussi continuer à se faire vacciner pour au moins préparer, protéger contre cette maladie pour ne pas vivre les mêmes scénarios comme en 2020. Devrais-je me faire vacciner? Oui. Il a été approuvé à maintes reprises que dans presque tous les cas, les personnes sont mieux protégées par un vaccin que sans vaccin, même après une infection intérieure au COVID-19. Sauf si vous avez une allergie grave à tout ingrédient du vaccin ou vous êtes une personne immunodéprimée, les personnes de ces catégories devraient parler à leur fournisseur de soins de santé avant de se faire vacciner. Oui, comme ce n'est pas obligatoire, mais la santé d'abord, avant tout. Vous devrez penser à votre santé, vous devrez penser à votre bien-être. Mais si vous avez un problème, comme je l'ai toujours dit, parlez à votre médecin traitant. Voir si vous êtes allergique à vous faire vacciner contre le COVID-19. On dit, on doit se mobiliser, on doit sensibiliser nos familles, nos amis à éradiquer ou arrêter la contamination contre le COVID. On doit se faire vacciner. Si on est malade, on reste à la maison. On doit laver nos mains chaque au moins 20 secondes. Chaque fois qu'on touche à des choses, on doit laver nos mains. Aussi, on doit porter le masque. Mais le port du masque n'est plus obligatoire. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer à porter le masque. Cela dépendra de vous. Et pour empêcher la propagation du COVID-19. Que pouvons-nous faire? Partagez ces informations avec vos amis et familles. Différenciez les vraies des fausses informations. Restez bien informés. Élargissez vos médias. Vérifiez la source d'informations. Soyez sceptiques. Vérifiez les réclamations incroyables. Oui, il ne faut pas qu'on reste, qu'on attend tel avis ça. Oui, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions concernant tel sujet. Mais en faisant votre propre recherche, je crois que vous pouvez avoir des informations fiables concernant le vaccin contre le COVID. Donc, je vais laisser ma collègue continuer. Merci de nous avoir écoutés. Kalia, tu es là? Ok. Oh, désolée, j'étais en train de parler, mais il était sous mute. So, à moi, c'est Kalia, tout, donc je veux clôturer. The next PowerPoint, Yonabo elle a déjà élaboré le PowerPoint là. Donc, je vais faire. OK. Que pouvons-nous faire? On demande à tout un chacun de se joindre à nous, de parler à la communauté et de sensibiliser les gens pour se faire vacciner pour leur bien et pour le bien de leur famille et leurs proches. Aidez-nous à distribuer les masques et les autres équipements de protection individuelle à la communauté aussi.
African Service, nous avons des assistances. En cas de besoin, vous pouvez appeler le numéro 706-502-91-63 en anglais, français, espagnol. Et vous pouvez aussi laisser des messages vocaux en envoyant un message. Les réponses seront envoyées de lundi au vendredi entre 13h et 16h. Et pour vos questions sur le COVID-19, vous pouvez contacter l'équipe HRSA à African Service Committee sur le numéro 862-248-2864. Et où vous pouvez nous envoyer des emails sur le covidvaxoutreach@africanservice.org. OK, pour clôturer, c'était tout concernant le COVID vaccin. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser et on fera nos mieux pour vous répondre. S'il vous plaît, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de sous-action. Est-ce que nous avons des questions là-bas? Oui, je crois, Monsieur Kassim, vous avez des questions à nous poser? Oui, si nous n'avons pas de questions dans la boîte de suggestions, Kassim peut nous poser des questions que les gens ont en général, avant en général. Ou bien toute personne, même entre nous aussi, nous avons des questions ou des suggestions concernant le COVID vaccin ou bien sur les nouvelles décisions de l'État et tout, on peut en parler. Oui, c'est ça. Oh, oui, moi j'ai une question à vous poser. Mm-hmm. Je crois d'ailleurs que c'est la même question que beaucoup de personnes comme moi se demandent et se posent. Pourquoi avant on disait le port du masque était obligatoire et puis le vaccin était obligatoire? Mais de nos jours, ils disent que ce n'est plus obligatoire. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que pourquoi ce changement de décision et pourquoi, je ne sais pas, je vous demande. Bon, je vais essayer de répondre à cette question à ma manière. Premièrement, le port de Max n'est plus obligatoire, d'où parce que le nombre de personnes qui se sont fait vacciner est plus que le nombre de ces personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Donc, du coup, le taux de contamination a réduit grâce à ces personnes qui se sont fait vacciner. Et concernant le vaccin, comme il y a un de nos slides qui dit que le vaccin n'est pas exigé, donc c'était pas on n'oblige pas les personnes de prendre le vaccin, mais c'est important pour leur bien et pour les protéger, pour protéger leurs proches tels que les gens qui ont des maladies chroniques et qui ont des immunosystèmes faibles. Donc c'est important de prendre le vaccin pour les protéger. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils disent que le vaccin n'est pas obligatoire, mais c'est important de le prendre. D'accord. Donc, si je comprends bien, comme on a le taux de contamination a diminué, donc apparemment, et puis beaucoup de personnes se sont fait vacciner, donc c'est pourquoi le masque ou le vaccin n'est plus obligatoire, c'est ça? Ça,
C'est une question. Je peux dire oui, je peux dire non, parce que la cause n'est pas vraiment connue d'abord. Il faut vraiment des recherches pourquoi le port des masques n'est pas obligatoire, mais la réponse que j'ai donnée peut être l'une des raisons de ne plus porter les masques. Mais c'est dit, on dit dans les lieux publics, mais il y a de ces lieux de travail et qui demandent, qui exigent le port de masque. Et malgré aussi qu'on a dit que le port de masque n'est pas obligatoire, il y a certaines personnes qui le portent pour leur bien. Parce que non seulement ça nous protège contre COVID, et ça peut nous protéger aussi contre beaucoup de maladies qui est transmissible par... D'accord. Merci, madame. Merci, madame. Oh, de rien. Qui d'autre qui a des questions? Oui, moi, j'ai une question pour vous demander aussi. La plupart des jeunes ne veulent pas se faire vacciner car ils ont peur de ne pas pouvoir enfanter à long terme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je peux répondre à cette question. Je crois parce que je me vois dans cette question, je me posais la même question concernant le vaccin peut avoir comment dire, un impact ou l'infertilité chez les jeunes femmes comme moi. D'ailleurs, ben, je dis, si tel était le cas, le vaccin ne sera pas les femmes enceintes n'allaient pas se faire vacciner. Donc, je crois que ça n'a rien à voir, le vaccin n'a rien à voir avec l'infertilité chez la femme, parce que les femmes enceintes se font vacciner. Donc, je crois non, ça n'a aucun rapport, ça n'a pas d'impact négatif sur les jeunes femmes. Donc, oui, tu peux te faire vacciner. Oui, je peux en rajouter un peu sur ça. Concernant nous, les jeunes, je peux dire aussi, c'est la raison pour laquelle les jeunes ont eu peur de prendre le vaccin est causée aussi par l'impact des social media, les réseaux sociaux, les propagandes qui étaient partagées par certaines personnes, soi-disant que quand une fille prend le vaccin, ça va la rendre infertile et tout. Donc ça aussi, ça joue beaucoup sur nous les jeunes qui nous a poussé à refuser de prendre le vaccin. Mais en vrai, le vaccin n'a aucun impact sur ce qu'ils disent là. Ça n'empêche pas d'avoir de l'enfant, ça ne te donne pas des complications en voyant tes règles et tout. Donc, c'était juste des propagandas. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous deux. Oui, pardon, Jennifer. Vas-y. Non, je dis si vous avez d'autres questions ou si je peux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de notre mieux pour vous communiquer, pour passer des messages concernant vraiment du COVID et aussi d'autres maladies. Mais aujourd'hui, nous allons parler du COVID. Nous sommes des jeunes gens. Je sais qu'on est trop actifs sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, mais nous ne voyons pas tout ce qu'on voit sur la toile, que c'est ça. Il ne faut pas qu'on se fie de ça. On doit lire, on doit se renseigner, on doit lire, on doit connaître les choses. Les réseaux sociaux, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est vrai. Donc, merci beaucoup. Oh, vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Oh, yeah, j'avais un problème de connexion. Je suis tellement désolée pour ça. Je suis là. Vous m'entendez bien? Avez-vous des questions, oui? Oui, j'ai des questions. Je voulais poser une question à Mariam. Est-ce que les enfants doivent se faire vacciner et pourquoi? Aussi, quels sont les effets secondaires, Mariam? Oui, d'accord. C'est une bonne question parce que
Il est important parce que les enfants peuvent être infectés, donc ils peuvent infecter les autres aussi ou être très malades eux-mêmes, en plus qu'avoir des complications de la santé à court terme ainsi qu'à long terme. Donc, comme pour les adultes aussi, les enfants peuvent avoir la douleur, la rougeur ou de gonflement où il a reçu le vaccin. Puis en outre, ils peuvent avoir mal à la tête ou des frissons, etc. Mais ce sont des symptômes qu'ils montrent que le vaccin fait son travail. Thank you so. Merci beaucoup, Mariam. De Ça, c'est une bonne rien. réponse. Et puis aussi, j'ai une question pour Genevieve. Je pense pas, Genevieve, je pense que tu as déjà répondu, mais je vais te les reposer encore si tu pouvais nous donner beaucoup plus de détails. La question est que la plupart des jeunes ne veulent pas se faire vacciner car ils ont peur de ne pas pouvoir enfanter à un long terme. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu, s'il vous plaît? Oui, je peux rajouter ça sur ce qui concerne les femmes enceintes, hormis les jeunes gens, les jeunes femmes qui ont peur de se faire vacciner parce qu'ils se posent des questions. Le vaccin a-t-il un impact sur l'infertilité, quelque chose comme ça? Non. Si tel était le cas, on n'allait pas demander aux femmes enceintes de se faire vacciner. Donc, je crois Oui, non, c'est vrai. ça n'a pas d'impact sur l'infertilité chez les jeunes femmes. Ah, Donc, oui, d'accord. vous pouvez vous faire vacciner. J'ai aussi une question pour vous, Monsieur Kassim. Yeah, bien sûr. Ce qui concerne les personnes atteintes du VIH, Yeah. est-ce que ces personnes peuvent se faire vacciner vu que déjà ils ont un virus dans le corps? Yeah, bien sûr Est-ce que que les personnes atteintes du VIH peuvent se faire vacciner parce que l'immunosystème du VIH n'affecte pas vraiment le COVID vaccin, ça n'a rien à voir. Et puis quand ils étaient en train de fabriquer les vaccins, ils ont pris quelqu'un déjà qui avait le VIH dans son corps. Donc ils ont testé le COVID vaccin et puis ça a marché. Mais ça ne veut pas dire on a les différents human systems et tout. Mais les vaccins, ça fonctionne vraiment pour une personne qui vit avec le VIH. je peux en rajouter un peu sur ça? Bien sûr, Kajatuya. Au fait, concernant les gens qui ont le VIH, c'est très important pour eux de prendre le COVID vaccin, non seulement parce qu'ils ont un immunosystème qui est faible, qui est déjà affecté par un autre virus. Donc, c'est très important pour eux de se faire vacciner pour les protéger de plus contre le COVID vaccin. Mais avant de se faire vacciner, il est important aussi qu'ils contactent leur docteur pour en savoir plus s'ils ne sont pas allergiques aux certains produits. Comme un composant du COVID, vaccin. Donc, c'est bon que ce soit les gens qui ont le VIH, les gens qui ont heart disease, les problèmes de cœur, diabétique et obésité. C'est vraiment important pour eux de se faire vacciner. Merci, Katia. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. On a une autre question et peut-être Kassim, toi tu pourras le répondre mieux, je ne sais pas. Yeah, bien Mais sûr. est-il toujours nécessaire de porter des masques? Yeah, Je ça c'est sais une que très beaucoup bonne. de gens, oui, ont cette question. Yeah, ça c'est une très bonne question. Yeah, merci beaucoup, Mariam, de m'avoir posé cette question. Je pense que oui, c'est toujours nécessaire d'utiliser les masques, surtout dans les transports communs comme les métros ou les bus. Mais dans les lieux publics comme dans la parc d'attractions, c'est à votre préférence la portée des masques. Mais je pense qu'on doit toujours porter les masques pour se protéger. Yeah, merci bien, Mariam, pour cette question. Oui, de rien, parce que je sais beaucoup de gens se questionnent. Est-ce que Jenna ou Kadiatou, vous voulez rajouter quelque chose? Ajouter, Bon. pardon.
Je pense que tout a été souligné déjà. Mm-hmm. Moi, je n'ai aucune question que je peux poser pour le moment. Mm-hmm. Peut-être dans le futur, oui, mais pour aujourd'hui, je n'en ai pas. D'accord. Je pense que c'est tout, donc. Yeah, c'est tout. Yeah. Merci bien, Mariam, Kadjatou, Djenebou. Et je vais bien souligner le point aussi, le 30 mars, on a notre sensibilisation de vaccination qui sera liée au sein des African Services. Ça sera de 13h30, ça va se dérouler de 13h30 à 16h30. Donc, nous sommes en train d'évoquer toutes les gens qui ne se sont pas encore fait vacciner, de venir se faire vacciner. Yeah. Merci et à bientôt. Merci, bye bye. Merci à vous tous et merci à l'audience. Merci. Merci beaucoup.